J'aimerais vous montrer comment peindre une mer forte et déchaînée avec des vagues qui viennent s'écraser sur des falaises. Alors aujourd'hui, je suis à Étretat et c'est un endroit vraiment merveilleux justement avec le vent que nous avons aujourd'hui, la mer qui est assez forte pour avoir un beau modèle. Et donc je vais utiliser ce que j'ai sous les yeux aujourd'hui pour vous montrer donc comment peindre une mer forte comme ça. Vous allez voir, c'est très facile, c'est très simple. Je vais faire ça en démonstration et en peinture acrylique. Je me suis installé à l'intérieur de la chambre d'hôtel. Donc je vois devant moi les grandes falaises d'Étretat, les plus connues au monde. Je m'en vais tout de suite vous montrer ça sur la toile et sur la palette. Alors au niveau des couleurs, j'ai le blanc de titane, le jaune ansa clair, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le vert phtalo et le bleu outre-mer. J'ai mon petit pot avec de l'eau. Ce qui va être important, ça va être de suivre vraiment des étapes pour que ce soit facile et rapide. La première étape, ça va être de faire bien sûr toujours une couche de fond pour ne pas peindre sur la toile blanche, parce que la toile blanche, après, il va falloir, s'il reste des petits morceaux de blanc, remettre de la peinture ici là pour enlever le blanc. Et là, je vais faire une couche de fond. Une couche de fond, alors si je regarde, mon sujet est assez... La mer est assez verdâtre, les rochers un petit peu beige, le ciel, même s'il est gris, c'est un gris légèrement bleuté. Je vais aller me faire une couche de fond assez chaude. Un petit peu de blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, quelque chose de chaud et un petit peu de terre d'ombre brûlée. Quelque chose d'un petit peu beige et cru, vous voyez. Alors c'est de la Golden Open, peinture acrylique qui sèche un petit peu lentement. Je vais en refaire une tout petit peu. Voilà, ma couche de fond est faite. Alors chaude, une couleur chaude un petit peu pour, on va dire, pour harmoniser tous les froids que je vais mettre par-dessus après. Ensuite de ça, on va faire le dessin au pinceau et avec la peinture. Un dessin très sommaire qui représente le sujet. Et là, je vais commencer tout de suite mon dessin avec mon petit pinceau. Je vais placer les éléments. Prendre juste, tiens, de la terre d'ombre brûlée, c'est-à-dire c'est surtout mon rocher. Je vais faire quand même un gros plan là-dessus sur les rochers pour avoir des belles vagues. On va peut-être commencer ici. Et la ligne d'horizon va être à peu près par ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de mer, mais là, dans ce petit espace de mer, je vais devoir représenter tout ce qu'il y a de plus fort et violent. En m'inspirant de ce que j'ai sous les yeux. L'étape suivante, c'est de faire une première couche, alors très 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 sommaire, quasiment des aplats. On remplit le tableau d'aplats. Alors je vais faire ma première couche, je vais installer les couleurs approximatives, de l'eau par exemple. Tiens, l'eau, on va y aller avec un petit peu de vert phtalo, un peu de jaune très peu, un petit peu de bleu outre-mer. Ouais, je vais faire un gris avec un tout petit peu de rouge, un gris verdâtre, un peu de blanc. En bas, elle est un petit peu plus jaune, voilà, un petit peu plus chaude. Je vais placer le ciel est gris. Donc, je fais mon noir avec le bleu et la terre d'ombre brûlée. Un petit peu de blanc, c'est trop bleu, un petit peu plus de brun, un petit peu de blanc. Voilà, un petit peu plus de blanc, qu'il soit plus pâle. Je vais de suite l'éclaircir parce qu'il est trop foncé. On va y aller avec le rocher. Je vais rajouter de la teinte pour le réchauffer un petit peu, voilà. On est dans des gris, mais beaucoup plus chaud. Très peu de bleu là-dedans, voilà. Un petit peu plus jaune. Vous voyez, je teste mes couleurs sur la toile directement. Ça ressemble beaucoup à la couleur de base. On va le pâlir un petit peu là-bas derrière, pour qu'on le reconnaisse. On va le foncer un petit peu plus dans la partie ombragée ici, par là aussi. Voilà, on va dire la base de mes falaises, de la mer et du ciel sont installées. Je vais juste étendre un petit peu ici, voilà. Il va manquer de la peinture. Je vais pouvoir commencer à faire un petit peu plus de détails. Vous voulez un petit cadeau? Cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Vous allez pouvoir obtenir une formation complète sur 6 jours qui s'appelle la peinture de paysage facile pour la peinture acrylique et pour la peinture à l'huile. Ensuite de ça, la deuxième couche, on va commencer à ajouter un petit peu de détails. Et là, on va faire attention de peindre tout ça dans des bonnes couleurs, des bonnes valeurs pour donner un peu l'impression, l'atmosphère d'une journée justement où le vent est fort, où il ne fait pas très beau. Donc, je vais travailler un petit peu plus mes falaises, mes rochers, placer quelques détails. C'est quand même le sujet du tableau, même si c'est la mer qu'on veut peindre, on a quand même un sujet assez important ici. Voilà, on va placer les ombres. Alors, ce qu'on voit un petit peu finalement, ce qu'on voit dans le rocher, hein. Voilà, une petite ombre ici. Ici aussi, c'est pas mal plus foncé. Une petite tache par là. En fonçant un petit peu plus comme ça, les rochers, ça va augmenter l'effet contre-jour.
avec le ciel. Alors, ça fait beaucoup penser, vu que je suis ici, à Claude Monet, hein, puisque il est venu peindre les falaises ici, mais lui, il peignait en peinture à l'huile. Hein. On est en acrylique. Je vais changer un peu de teinte pour enrichir un petit peu ces couleurs-là. Voilà, et ajouter un petit peu aussi d'épaisseur, de texture. Vous voyez, je charge bien mon pinceau. La peinture Golden Open acrylique permet de peindre un petit peu plus comme à l'huile. Je vais travailler un petit peu le ciel. Alors le ciel change constamment, hein. Il bouge tout le temps, tout le temps. Alors c'est un gris beaucoup plus froid que les rochers, vous voyez, bleuté. Peut-être le pâlir et le réchauffer un petit peu à la base, au loin là-bas. Ça va augmenter un petit peu l'effet de profondeur. Et t'as une petite tache ici ou là, plus chaude, et d'autres un petit peu plus foncées, pour donner un petit peu plus l'effet dramatique, créer quelques contrastes. C'est un petit peu ce que je vois actuellement dans le ciel. Comme il est là, c'est à peu près ça. Et là, on va commencer à faire la mer. Et là, je commencerai donc tout de suite par appliquer les zones les plus, quelques zones les plus blanches, les plus belles que je vois, les plus lumineuses et, comment dire, chaudes aussi, un petit peu chaudes. Nous avons, là, je viens de voir, alors ça bouge constamment, moi je suis sur le motif, sur le vif, hein. Je viens de voir ici, de l'autre côté du rocher, à la base de l'autre, une grosse vague qui est montée par ici. C'est là où on doit prendre le temps de faire ça avec soin. Alors au loin là-bas, c'est plus des toutes petites touches de rien du tout comme ça, toutes petites. Même ça, c'est trop gros, donc je vais pouvoir les diminuer un petit peu. Alors qu'en avant, des fois, oui, j'en vois une ici, là. Oups. Là, une très très belle aussi, une belle mousse bien haute ici, là. Voilà. Et ça, c'est à peu près ce que je vois actuellement. Eh bien, ce qu'on peut faire aussi, donc rendu là, pour augmenter l'effet donc de la mer déchaînée, ben, vous voyez, tout ce qui est ici, là, je vais hop, le monter plus haut. Exagérer la hauteur des vagues. Là, il m'en manque un petit peu ici. Je regarde qu'est-ce que j'ai comme un petit ressac qui fait à peine quelques lignes blanches comme ceci. Un petit peu de mousse, quoi. Très peu. C'est bon. Donc là, pour faire ressortir ces pâles, il va falloir foncer beaucoup plus le reste. Donc je vais refaire ma mer plus foncée. Tout petit peu de rouge pour casser un peu la teinte. Voilà. Bon, ici, c'est trop. Là, trop bleu, trop vert. Bon, du rouge. Du rouge, du rouge. Ça va, vous voyez, foncer plus. L'horizon là-bas est assez foncé au loin. Un peu dans ces teintes-là. Et là, je place la mer. Je vais juste pâlir un petit peu plus, changer les teintes. Quand la mer bouge, elle est de toute couleur. Donc, je garde un petit peu ma couleur du fond, qui est ici, là. Et je viens rajouter un petit peu les autres teintes. Voir comment est-ce que le foncé se présente là-bas, sous mes yeux, sur le modèle. Alors, il est beaucoup moins foncé que ça après. Là, je vais revenir plus pâle et un peu plus chaud, un peu plus jaune, vous voyez. Jaune, rouge. Et là, on peut alterner comme ça l'ajout de défoncer, puis revenir encore avec des pâles, etc., etc., jusqu'à ce qu'on obtienne un contraste assez réaliste, assez intéressant. Je prends un pinceau plus petit. Je vais refroidir un petit peu mon blanc, légèrement, très légèrement. Voilà. Vu qu'on est dans des couleurs chaudes un petit peu partout, je pense que. Surtout en avant des rochers, si je mets un peu de bleu, si je refroidis avec un peu de bleu mon blanc, quand je vais le faire apparaître ici, il va apparaître un petit peu plus blanc encore. Voilà, quelques déferlantes. J'aime bien que ça sorte sur le ciel aussi. Le mouvement, vous voyez, le mouvement, toujours le mouvement. C'est le vent qui est très très fort. Et on peut revenir dans des un peu plus foncés aussi pour faire ressortir les lumières. On n'a pas le choix des fois de mettre voilà, des ombres. Alors, c'est une journée sans soleil, hein. De temps en temps, très peu, une petite éclaircie. Voilà, si vous ne mettez pas les ombres, on ne verra pas le mouvement de la vague. Alors, je ne fais pas un tableau non plus hyper réaliste, hein. Je reste toujours dans le style impressionniste, peinture, bien sûr, sur le motif, hein. C'est toujours la relation entre les foncés et les pâles. On va venir ici un peu plus chaud. Je vois des teintes un petit peu comme ça là-bas. Bah, c'est sûr que
Au loin, non, c'est sûr qu'au loin, non, mais plus en avant, on peut voir des teintes un petit peu plus chaudes comme ceci. La mer est tellement multicolore quand elle bouge comme ça. Vous voyez, peut-être qu'il me manque un petit peu quelque chose ici. Un petit peu de pâle par là. Voilà. Donner un petit peu de relief au rocher et à la vague aussi, vous voyez. Hop, je peux foncer par après. Voilà, comme ça, je fais ressortir un petit peu cette vague-là. Et là, je peux faire sortir le rocher en le fonçant aussi un petit peu plus. En jouant sur les contrastes, donc on peut aussi interpréter, personnaliser un petit peu ce qu'on voit pour donner plus de relief au tableau. Vous voyez, en vérité, il n'est pas aussi foncé que ça, ce rocher-là, mais plus je le fonce comme ça, plus je vais pouvoir le faire passer en avant de l'autre. Et je vous dirais que ici, hier, c'était beaucoup plus foncé que ça. Ici, lorsqu'on avait plus de soleil, en fait, on est arrivé hier, il y avait un peu plus de soleil. Et ce rocher était vraiment en contre-jour dans l'ombre par rapport à la mer. Alors, c'est sûr que je n'ai pas exactement les bonnes proportions du rocher. Je peux encore revenir améliorer ça ici en le diminuant un petit peu. Vous voyez? Et le ciel, malgré le fait que c'est très couvert, le ciel est plus pâle, beaucoup plus pâle que le rocher actuellement. Je pourrais encore pâlir mon ciel d'une manière générale. Je pourrais arrêter là pour vous montrer l'exemple des, on va dire, des vagues. C'est terminé. Après ça, le tableau, on peut bien sûr continuer à le travailler avec des petites touches pour donner plus de texture encore toujours à la falaise. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous allez vous aussi vous amuser à peindre comme ça rapidement quelques vagues. C'est bon, c'est un bon exercice pour vous pratiquer, pour après faire des plus grands tableaux. N'oubliez pas toujours les exercices, c'est très très bien, c'est bon pour vous. Si vous voulez voir une super bonne vidéo aussi, je vous invite à regarder cette vidéo, Comment rendre vos paysages lumineux. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo.